1998, nous parvenons à interviewer Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères à l'époque du drame. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a jamais retrouvé les corps ? Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ceci dit, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, on ne les a pas retrouvés. C'est étrange de voir jamais retrouver les corps. Oui, vous savez, s'il n'y avait que ça d'étrange, il y avait beaucoup de choses étranges dans cette affaire. 7 ans après le drame, intrigué par ces zones d'ombre et par le fait que la justice française n'ait pas ouvert d'enquête, Armand Veilleux, l'ancien supérieur des moines, et la famille du frère Christophe Le Breton portent plainte à Paris pour enlèvement, séquestration et assassinat. Interrogé quelques mois plus tard sur LCI, le président algérien reconnaît que toute la vérité n'a pas été dite. Vous pensez qu'il y a encore des parts de mystère ? Oui, absolument. Absolument. Mais je pense aussi qu'il y a un problème de timing, un problème de temps. Toute vérité n'est pas bonne à dire à chaud.